Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons tenter de nous échapper d'un donjon avec Escape the Dark Castle, le jeu d'aventure et d'atmosphère. Je vais vous expliquer ça dans un instant, c'est pour un 4 joueurs pour 14 ans et plus. Et c'est édité chez Ludistri. Voilà, alors Escape the Dark Castle, je vais prendre mon petit document pour savoir les auteurs, les game designers. C'est Thomas Pick, Alex Crispin et James Shelton. Et c'est illustré par Alex Crispin. Alex Crispin. Donc je vous disais, c'est chez Ludistri, on voit tout de suite comment ça fonctionne, et puis je vous retrouve juste après pour mon avis, et tout à l'heure. Voici le matériel d'une partie de Escape the Dark Castle. Donc ça, c'est tout le matériel que vous allez retrouver dans la boîte. Vous avez ici des cartes aventure. Vous avez ici la première carte que vous allez mettre au-dessus du paquet. Vous allez voir, ici vous avez des cartes boss, des cartes personnages, des cartes objets, des dés noirs qui vont correspondre aux cartes aventure, et puis des dés blancs qui vont correspondre à chaque personnage qui se trouve ici. Vous avez leur petit nom qui est indiqué dessus, et donc à chaque fois que vous allez prendre une carte personnage, et bien vous allez prendre le dé correspondant. Quel est le but de Escape the Dark Castle? Et bien vous allez prendre 15 cartes ici aventure au hasard, vous allez bien mélanger, vous allez en prendre 15. Vous allez prendre un boss que vous allez mettre à la fin, et vous allez mettre cette carte là par dessus, et ça sera donc votre aventure. Vous devrez arriver au bout et vaincre le boss grâce à votre coopération entre les personnages. Vous pouvez jouer de 1 à 4 joueurs à ce jeu. Si vous êtes tout seul, et bien vous devrez choisir 2 personnages parmi ceux qui sont ici. Alors comment vous allez faire? Et bien c'est tout simple, je vous le disais, vous allez prendre et bien 15 cartes. Là je les prends un petit peu comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Vous voyez déjà au passage que les illustrations, c'est du crayonné, c'est vraiment très très chouette, c'est assez particulier, mais ça a le mérite d'être vraiment à mon goût très très chouette. Vous prenez un boss que vous mettez en dessous, les autres boss vous allez les enlever, tac, vous les mettez de côté, vous avez votre paquet d'aventure qui est fait, et maintenant, alors attendez, hop, on va les mettre comme ça. Et puis, donc face noire, et puis vous mettez votre carte juste ici. Les cartes objets, eh bien vous les aurez mélangées, vous les aurez mises de côté, et là vous allez pouvoir choisir vos personnages. Et comment vous allez faire pour choisir vos personnages? Eh bien vous allez avoir les valeurs correspondantes à leurs capacités qui sont indiquées sur leur carte. Vous avez ici, eh bien le point qui signifie la force. Voilà. L'œil qui est ici, eh bien il s'agit de la ruse, et la petite étoile, il s'agit de la sagesse. Donc les petits traits que vous voyez à côté, c'est le nombre de fois où vont être représentés eh bien chaque symbole sur le dé de ce personnage. Vous voyez que Abbott est plutôt fort en sagesse, moins en ruse, et il est quand même assez fort au niveau physique, et donc vous allez essayer de créer une équipe qui sera la plus homogène possible avec le plus grand nombre de réussites possibles dans chaque domaine. Donc peut-être avoir un personnage plus rusé, un personnage plus fort et un personnage plus sage, et puis après avoir des compétences un peu entre deux. Donc on va faire, pour prendre eh bien deux personnages différents, on va prendre eh bien pourquoi pas Abbott, tiens, et puis Cook, voilà, hop là, les autres vous les mettez de côté, et puis vous allez prendre les dés qui correspondent donc à Cook et puis à Abbott. Les autres dés blancs, eh bien vous pouvez les retirer du jeu, et puis vous allez pouvoir commencer la partie en lisant eh bien la petite introduction qui est là. Je ne vais pas vous le faire, mais vous avez directement un gain de carte objet par personnage. Donc vous allez prendre une carte objet, hop là, et puis vous allez la mettre à côté de votre personnage. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une miche de pain rassis. Alors attendez, je vais remonter un petit peu ça. On a une miche de pain rassis, donc défaussée pour soigner votre personnage de 2 points de vie, et défaussée avant n'importe quelle round de combat pour modifier le résultat d'un dé de chapitre. Donc ça, c'est l'élixir de vision. Donc ça, c'est très très chouette. Chaque joueur va prendre pour suivre ses points de vie eh bien une petite feuille comme ça avec un petit crayon. On va noter le nom des joueurs et on va noter les points de vie, sachant que à 2 joueurs, eh bien vous allez avoir 18 points de vie.
Et ensuite, vous allez commencer l'aventure, vous allez retourner la première carte et vous allez eh bien, lire le texte en italique qui sera plutôt un texte narratif, donc il faut quand même lire avec peut-être un petit côté un petit peu théâtral pour bien s'imprégner dans l'univers. Et ensuite, vous allez appliquer les effets, donc ici on va perdre des points de vie, on va gagner des cartes objets, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir un petit peu comment se passe un combat, donc on va aller voir un petit peu un personnage. Voilà, ici nous avons un combat spécial, donc commencez le combat. Donc comment ça va se passer lorsque vous allez faire un combat? Eh bien vous allez mettre les dés en place par rapport à ce qui est indiqué ici sur la feuille du personnage. Donc ici nous avons une ruse et une sagesse, et puis le petit bonhomme à côté, ça veut dire que vous allez devoir lancer un dé par personnage en jeu, un héros en jeu. Donc là vous allez lancer deux dés, hop là, ici on va rajouter la force et la sagesse, et maintenant ça va être au tour de chaque joueur de lancer ses dés. On va commencer le combat, on lance les 2 dés, et puis eh bien là on voit tout de suite que l'on a une force pour Cook et puis un bouclier avec une double force pour Abbott. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous avez eh bien, des phases de dés qui sont doubles. Alors elles ont double fonction, c'est-à-dire que vous allez pouvoir enlever 2 dés correspondant au symbole ici, mais vous allez également pouvoir être protégé si jamais vous n'avez pas réussi à vaincre votre adversaire et qu'il vous attaque. La force de votre adversaire est indiquée ici, celle sera de 2. Donc si jamais vous n'arrivez pas à battre votre adversaire, et bien juste après le tour des héros, ce sera le tour du monstre qui va vous infliger 2 dégâts, sauf si vous avez une phase double avec donc un bouclier, donc qui va vous permettre de parer eh bien, ce combat. J'aurais pu utiliser mon élixir de vision si je l'avais défaussé avant le début du round de combat, puisqu'en fait je peux pas le défausser, je peux pas l'utiliser dans ce cas-là, maintenant que j'ai déjà lancé les dés. Alors notre ami Cook eh bien, va nous permettre d'enlever eh bien, une force, donc ça veut dire que là vous allez prendre le dé avec une force, vous l'enlevez et le personnage n'a plus que 3 dés, qui correspondent en gros à ses points de vie. Ensuite, vous allez prendre des dégâts, donc ça va être au tour du monstre d'attaquer, et il va infliger 2 points de dégâts. Chaque personnage va subir les dégâts infligés par le monstre ici, 2 points. Donc notre ami Abbott, lui, va parer cette attaque, par contre Cook va les prendre. Donc Cook, hop, on va le noter ici, elle n'a plus 18 points de vie, mais elle aura que 16 points de vie. Elle pourra défausser cette carte pour se soigner à un moment donné si elle veut. Mais elle peut également, eh bien, au lieu d'attaquer sur son prochain tour, elle va pouvoir eh bien, se reposer. Ça veut dire qu'en gros, elle va se mettre dans un coin et elle va laisser Abbott attaquer le monstre tout seul pour se reposer et gagner un point de victoire. Elle ne pourra pas non plus être attaquée par le monstre. Donc même si du coup le monstre n'est pas mort et qu'il fait une attaque, un joueur qui se repose ne peut pas être attaqué. Bon là pour le coup on est bien en point de vie, on va relancer les dés. C'est parti, ici on a 2 étoiles, c'est parfait, on enlève les étoiles. Et puis bah, il reste encore des points de vie au monstre qui va nous attaquer à nouveau. Donc Abbott, hop là, Abbott va prendre 2 points de dégâts, et ici notre ami Cook en aura pris 2 également, elle est à 14 points de vie. On va ensuite essayer eh bien d'enlever ce dernier dé là qui nous embête. On sait que Cook a 3 points, 3 faces, 3 symboles avec des yeux pour la ruse sur son dé, mais on va quand même utiliser la carte de l'élixir, voilà, que l'on va défausser pour changer la face du dé de Abbott si jamais on n'avait pas eh bien, deuil, on a bien fait parce que ici on avait une étoile de sagesse et puis de la force, donc on va pouvoir changer la face du dé comme indiqué sur notre carte d'élixir de vision, et puis on enlève l'œil et c'est fini. Le combat est terminé et vous allez gagner une carte objet, voilà, que l'un ou l'autre des joueurs va récupérer. On va dire que c'est lui. Vous pouvez échanger lorsque vous avez eh bien, des cartes objets que vous récupérez. Vous pouvez les échanger si vous voulez entre les joueurs. C'est le moment où vous pouvez le faire. Vous pourrez également échanger des cartes lorsque vous aurez terminé un chapitre, même si ce n'est pas un combat. Et puis donc ensuite, vous allez continuer votre aventure. Vous allez continuer votre exploration dans le donjon, affronter le boss et peut-être sortirez-vous vivant de ce Escape the Dark Castle.
Vous avez dans la gamme Escape the Dark Castle, en fait vous avez des extensions, mais vous avez également une boîte différente qui s'appelle Escape the Dark Sector. Et donc dans cette boîte, eh bien, vous allez être dans l'espace, dans une station spatiale, et vous allez devoir combattre des aliens, et vous allez pouvoir faire du combat à distance. Vous avez les personnages qui sont juste ici, qui sont des soldats de l'espace. Vous allez avoir exactement les mêmes systèmes de combat, sauf que vous allez avoir des armes, des pistolets, etc., des lasers qui vont vous permettre de tirer à distance, et vous allez devoir faire exactement la même chose. Donc, on est sur un dungeon crawler, mais dans une station spatiale. Vous allez avoir des petits trucs en plus en termes de combat, des attaques de flanc, etc. Et il faut savoir quand même que cette version de Escape the Dark a gagné un certain nombre de prix. C'est des jeux qui ne sont pas qui ne viennent pas de sortir, qui sont un petit peu anciens, mais en fait ils ont vraiment leur place dans le milieu ludique, et je voulais vous les présenter. Et écoutez, on se retrouve dans un instant pour mon avis sur cette gamme de jeux Escape the Dark. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez désormais tout sur Escape the Dark Castle. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Le style graphique est vraiment particulier. Moi j'aime beaucoup ce côté crayonné, ça me plaît bien. Mais ça peut ne pas plaire à tout le monde, le côté noir et blanc, un petit peu comme ça. Moi j'avoue que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la qualité du matériel, est vraiment chouette. Et puis les explications dans le livre de règles sont très claires et c'est très simple. En termes de jeu, on est vraiment immergé dans ce donjon. Et c'est vraiment pas évident, il va falloir bien coopérer pour arriver à sortir vivant de ce donjon, se reposer quand il faut pour regagner des points de vie, etc. Parce que les objets, vous allez vite les consommer, vous n'allez pas en gagner non plus 50 suivant les cartes que vous avez dans votre donjon. Donc écoutez, ça c'est vraiment une belle expérience, vous allez pouvoir l'emmener un petit peu partout. Alors c'est vrai que la boîte est un petit peu grande, mais ça prend pas trop de place quand même dans une valise. Vous allez pouvoir donc faire de l'escape de donjon comme ça, même au camping si vous avez envie, avec Escape The Dark Castle. Et donc vous avez, comme je vous le disais, cette version de Dark Sector, voilà, dans l'espace, avec une station spatiale qui est envahie, et vous allez donc devoir explorer cette station spatiale et la nettoyer. Et il faut savoir quand même que cette version a reçu le Seal of Excellence de Dice Tower et a gagné le prix du meilleur jeu de dés en 2021 au UK Game Expo, et ainsi que le prix du public pour cette même catégorie au UK Game Expo. Donc c'est vraiment très très chouette. Voilà, vous avez une belle rejouabilité avec ces jeux là puisque vous avez également des extensions pour Dark Castle et des extensions pour Escape the Dark Sector. Vous avez même un disque vinyle qui permet de créer une ambiance musicale comme ça pour jouer au jeu. Donc c'est vraiment chouette, c'est chez Ludistry et je vous conseille de tester ça. C'est vrai que ça c'est un petit peu ancien maintenant, mais je voulais vous les présenter parce que ça vaut le coup d'être essayé. Voilà, et écoutez, maintenant que vous savez tout sur la gamme Escape the Dark, alors, tu joues ou quoi ?